Le titre restaurant a permis de rétablir une certaine forme d'équité, d'égalité de traitement entre plus de travailleurs. The first social vouchers were launched 50 years ago with the birth of the meal vouchers. Meal vouchers help secure employees with meals during their workday. They can be used in restaurants, food stores or takeaway shops. C'est un outil vertueux puisqu'il est bien ciblé sur des produits alimentaires qu'on ne peut pas transformer son titre restaurant en espèces. Le titre restaurant a permis de rétablir une certaine forme d'équité, d'égalité de traitement entre plus de travailleurs. Donc on voit aussi que ça comble des effets d'inégalité salariale en termes d'accès au repas. Donc c'est un outil clairement qui a pour but de participer au bien-être au travail. Et sur le plan sanitaire, puisqu'il incite une partie des salariés qui en bénéficient à prendre le temps de déjeuner correctement et pouvoir manger des produits peut-être plus sains. Meal vouchers also contribute to protecting the purchasing power of the employees. If we are very poor, we are going to supermarket, and because we have vouchers, we have more purchasing power to buy something different. Moreover, meal vouchers bring economic benefits to the restaurants and food retailers. Le titre restaurant en France contribue à hauteur de 10% du seul chiffre d'affaires du secteur de la restauration. Donc ça a un vrai impact économique en France pour ce secteur-là. Ça participe aussi à faire développer des emplois dans des secteurs qui sont intensifs en emplois non délocalisables. Tout ce qui est restauration, commerce de bouche de proximité. Dans le cadre de la crise d'ailleurs, la stratégie de l'État français a été à la fois de prolonger l'utilisation des titres, mais de doubler leur montant. On est passé de 19 euros maximum par jour à 38 euros pour aider à la relance économique, en particulier des secteurs qui ont été très impactés. I had some chat with the government and I told them what you should do, what you should have done maybe, was to give all people in need of elementary consumption, meal vouchers or social vouchers, with a predetermined destination like food. In France, more than 4 million French employees benefit from meal vouchers. In Belgium, it is estimated that 2 million people use meal vouchers. In Brazil, the number is 22 million. Aujourd'hui, 30,6% des 12,2 millions de salariés qui sont éligibles au titre restaurant en bénéficient. On voit qu'on a encore de la marge pour faire progresser la couverture qui est assurée par cet outil et qui demeure en particulier incomplète pour beaucoup de salariés qui sont dans les petites et moyennes entreprises. Et c'est tout l'enjeu de la dématérialisation du titre restaurant qui est en cours en France. In some countries, self-employed people are not covered by vouchers. In other countries, only public servants are covered by vouchers and not private sector people, so employees. So these are the challenges. So it's still a story to build, a story to tell and to think of.